Le coup d'envoi du match est donné. On s'attend à des performances de grande classe dès les premières foulées. Ambiance de fête dans le stade, de part et d'autre, les supporters donnent de la voix. J'espère que les joueurs seront au tempo. Ouverture aérienne. Belle combinaison. But ! Ouverture du score ! Ouverture du score dans les premières minutes ! On est parti sur de très bonnes bases ! Ce qu'il faudra surtout retenir de cette rencontre, c'est ce but de volée. Et il n'y a qu'un joueur d'Einstein à un timing parfait pour réussir un tel geste. Quel beau spectacle ! Quelle communion avec ce public ! Franchement, on a bien fait de venir. Il mène grâce à ce but. Voilà, un superbe départ avec un à l'avance presque à leur première attaque. Ça devrait apporter du bien. Tire du droit, mais il en faut plus pour battre le gardien. Michel Giolaco. On se compte qu'il me semble bien mené. Encore une occasion de centrer. Écarté de la tête. Frappe directe. À quelques millimètres près, c'était dans la cage. Il a besoin de tenter une telle frappe. C'est comme ça qu'on marque des buts dans notre monde. Il garde la maîtrise du ballon, ça peut être dangereux. Long dégagement en avant. Michel Giolaco. Le but est valable. Il double la mise au cours de cette première période. C'est vraiment bien joué. Vous avez vu quand un milieu vient participer devant, qui crée le décalage, il se retrouve souvent en position offensive pour marquer des buts. Le break est fait, 2-0. Ouais, c'est vrai qu'avec une avance de 2 buts, une équipe peut se relâcher. Donc un but juste encaissé par l'adversaire, et là tout le match est relancé. Un bon moyen, c'est sûr, c'est d'aller chercher un troisième but avant le retour. Et c'est dégagé. Ils échappent au danger au prix d'une remise en jeu. Peut-être dangereuse. Éloigné d'un coup de tête. Le ballon subtilisé par l'adversaire.
peut être redoutable. Va-t-il trouver le bon timing? C'est beaucoup trop loin du côté droit. Et si la défense ne fait pas un pressing plus haut sur les attaquants, je peux vous dire qu'il va y avoir des tirs qui vont partir de tous les coins du stade. Encore une belle occasion. Il va peut-être marquer. Ouais, c'est pas cadré, mais c'est pas si mal. Oh, il n'y a même pas la place pour passer une allumette. Kolka. Encore une occasion de centrer. Il n'est pas réglé au stack, le coup franc. Oh, je n'en crois pas mes yeux, carton rouge. L'entraîneur aura sûrement quelques formules bien senties dans l'interview d'après-match. Voici une belle occasion de tirer au but. L'attaque n'a rien donné car dévié en corner. Le ballon est travaillé vers le but. Oui, il fait trembler les filets. Quel joueur en forme aujourd'hui. C'est un vrai régal pour les supporters. Et même si la défense a fait une erreur de marquage sur ce but, on a vraiment l'impression quand même qu'il frappe plus fort de la tête qu'avec les pieds. Écoutez le stade gronder après ce but concédé. Ils ont un but d'avance, 2-1. C'est une arme redoutable. Ils peuvent construire quelque chose. Quel arrêt réflexe! Nouvelle occasion de centrer. Bien joué, l'attaque ne donnera rien. Oh, ce ballon va remonter très vite. Bon retournement de situation, il a le ballon. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Ils sont partis sur l'aile. Encore une belle occasion. Tête magnifique. Tranquille pour le gardien. Il envoie le ballon loin devant. Il a mis le pied sur le ballon. Jolie passe au milieu de la défense. Il est à plus de 25 mètres. C'est vraiment trop loin du cadre. Et là, c'est vraiment dommage parce qu'à mon avis, il avait une superbe occasion pour égaliser. Il s'est trouvé en bonne position, mais je pense qu'il s'est un petit peu précipité. Il lui faut un espace pour cadrer. C'est une frappe. Belle tentative, mais c'est hors du cadre. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être magicien.
Le gardien a le jeu en main. Une très grande ouverture. En plein dans l'axe, ça peut surprendre l'adversaire. Oui ! Oh, superbe ! Superbe ! Désormais, ils ont deux buts d'avance. Quelle préparation ! Ça, c'est vraiment deux top. Ils se connaissent très bien. Là, le but, il est à la hauteur de la passe. Une différence de deux buts, ça peut suffire. En plein dans l'axe, c'est super. Le gardien a remis de l'ordre. Le meilleur moyen de pas encaisser un but, c'est de garder le ballon. La défense ne sait plus où donner de la tête, à mon avis, elle va craquer une nouvelle fois. Au niveau du jeu, c'est un vrai régal. Le ballon circule vite, les joueurs sont en place, en face, ils vont commencer à souffrir. Le gardien avance et saisit la balle. Bon travail et bonne possession du ballon. La faute est dangereuse, coup franc. La sanction est logique, carton jaune selon l'arbitre, mais franchement, il n'y a rien à dire. Bon, qui va le tirer ? Encore une belle occasion. Interception de la défense. Un ballon bien rendu. Coup de tête qui écarte le danger. C'est un bon travail défensif. C'est une belle occasion, ce ballon en profondeur. Il n'a pas pu saisir complètement le ballon, mais heureusement le défenseur était là. Il reprend le ballon. Il y a trop d'hésitation dans ce jeu. Ils ont le ballon, mais ils ne savent pas trop comment l'exploiter. Il a osé. Non, c'est mal joué. C'est encore trop loin du but. Là, il s'est baladé pour trouver l'espace. Hein. Mais il a trop précipité son shoot. Bientôt une demi-heure de jeu dans la première mi-temps. Ça c'est futé, plein axe. Il déclenche une frappe. Oui, c'est au fond. 3 buts d'écart à présent. C'est bien ça. Et il a été tellement vite du centre droit que le gardien n'a rien vu passer. Et que moi j'ai même pas eu le temps de le commenter. Aujourd'hui c'est son jour, pas de doute. Un doublé magnifique. Et le match n'est pas fini.
maintenant passer à 3 buts d'avance. Ah là, ils sont complètement en train de se balader. Les occasions en veux-tu en voilà. Là, ils sont concentrés, les affaires sont faites. Le seul danger, c'est d'être trop confiant. Avec cette équipe-là, à mon avis, ça ne risque pas d'arriver. Magnifique passe en profondeur. Encore 15 minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps. Ce score les a complètement libérés et maintenant il faut tourner le ballon. C'est trop loin du poteau gauche. Et vous avez vu comme il a éliminé, comme il s'est débarrassé de son adversaire. Malheureusement, il n'a pas pu ajuster son tir derrière. Il frappe directement. Frappe décochée en direction du but. Quelle belle occasion! Ils peuvent construire quelque chose. C'est chaud pour le gardien. Kolka. Il peut peut-être centrer car il joue sur le côté. Il manque vraiment de coordination. C'est bien de jouer dans le couloir. Il doit trouver une solution. C'est très loin du poteau droit. Si la défense lui laisse de l'espace comme ça toute la rencontre, à mon avis, il va pouvoir tirer au but pendant 90 minutes. Joli appel en profondeur sur le côté. Duel remporté par le défenseur. Le gardien a fait le ménage. Belle passe en profondeur. Il sort de son but et capte le ballon. Encore une belle occasion. Coup de tête. Oh oui, franchement, c'est trop bien joué. Et désormais, l'écart se creuse. Et avec le coup de boule de Voyou qui vient de nous mettre, je ne crois pas que le gardien avait une seule chance. C'est vraiment son jour. On le sentait bien après le premier but. Ce doublé confirme notre impression. Il semble vraiment très fort. Nouvelle occasion de centrer. Oh que ça va partir vite. Encore une belle occasion. Il tente sa chance. Dégagement des points, corner. Un ballon fouetté vers le but.
Oui, encore un, encore un. Ils sont dans une très bonne période en ce moment. Que c'est bien joué. C'est son hat-trick. 3 buts au cours du même match. Bravo, à mon avis, il peut garder le ballon. Circule, il n'y a pas de problème, mais il faut concrétiser ses mouvements. Pas moyen de passer cette fois. Joli appel en profondeur sur le côté, tout près de la cage. Oui, il a marqué. Et ce n'est pas le premier but de la partie. Cela tourne véritablement à la démonstration. Et c'est vrai qu'il n'a qu'un seul pied. Mais quand il s'insère, c'est toujours pour marquer. 3 buts. Quelle journée pour cet attaquant. Franchement, il sait tout faire. Ils n'ont pas souvent le ballon, mais toutes les occasions sont bonnes à jouer. Dans 5 minutes, l'arbitre va renvoyer les équipes au vestiaire. Trajectoire coupée par le défenseur. Encore une occasion de centrer. Ah, c'est pas mal joué. Oh là là, celle-là, il fallait pas la rater. Bien donné. C'est dégagé. C'est sympa de voir des défenseurs jouer avec autant de justesse sans vraiment paniquer. Nouvelle occasion de centrer. Quelle occasion en or! Il va peut-être marquer. Une interception au moment crucial et un bon dégagement. Une seule minute d'arrêt de jeu. Encore pas mal de terrain à parcourir. Action dangereuse, il peut marquer. Le portier récupère le ballon. Ouverture aérienne. Au niveau du jeu, c'est un vrai régal. Le ballon circule vite, il est tranquille pour le gardien. Allez, c'est l'heure de la pause. On se retrouve dans quelques secondes. Coup d'envoi de la seconde période, évidemment. On va essayer de tenir compte des consignes qui ont été données. Il a mis le pied sur le ballon.
Le gardien a fait le ménage. Excellente tête. Ils se remettent à attaquer et ils ont bien raison. Il faut vraiment tenter quelque chose pour rester dans le match. Attention, c'est parti à 2000 à l'heure. Va-t-il y avoir but ? Encore une occasion de but gâché. Ça peut paraître facile, mais dans un duel, c'est souvent le gardien qui fait la différence. Le gardien avance et saisit la balle. Un long ballon vers l'avant. Jouer le ballon, pas le joueur. Le ballon est toujours pour eux. Quelle frappe! Juste à gauche du montant. Ah, il n'a pas de chance. S'il avait réussi sa frappe, on avait vraiment senti que le gardien était à la pêche. Passe en retrait au gardien. Au niveau de la circulation, c'est vraiment du super boulot. Le dispositif est bien huilé. Le ballon part dans tous les sens. Le danger est écarté. Le goal la bloque. À moi. Ce sera une remise en jeu. Bonne action, le ballon est récupéré. Ça peut être dangereux. Interception de la défense. Bien vu. Attention, c'est parti à 2000 à l'heure. Va-t-il trouver le bon timing? Le gardien a dévié la balle, corner. Il envoie au milieu de la surface. Oui, encore un but. Voilà, c'est un festival d'occasions et de ballons qui terminent au fond des filets. Quel plaisir! Et quand on connaît son jeu de tête, si tu oublies de le marquer dans les 18 mètres, t'as plus qu'à regarder le tableau d'affichage. Un hat-trick, c'était déjà merveilleux, mais alors 4 buts, c'est vraiment le Pérou. Bon travail et bonne possession du ballon. Bonne lecture du jeu. Il prend le ballon de la tête.
Oh, ce contre, il peut mener loin. Ils peuvent construire quelque chose. C'est un mauvais dégagement. Il a dégagé. Elle est belle, cette passe. Sortie du gardien qui s'empare du ballon. Tête énergique. Il a intercepté la passe. À moi. Il décoche une frappe. Et c'est dedans. Oh, bien joué. Et quelle belle image de joueur. Si tu laisses libre de tout marquage, le passeur et le buteur, voilà ce qui risque d'arriver. Une première lame ajuste l'ouverture et la deuxième marque le but. Ça, c'est tranchant. On joue déjà depuis 15 minutes dans la seconde période. Nouvelle occasion de centrer. Le balanceur en touche à un très bon endroit. Le gardien est en danger. Facile pour la défense. C'est un ballon gagné. Tire du droit, mais il en faut plus pour battre le gardien. Une très grande ouverture. À moi. À ça, la défense, c'est un sacré art. Hein. Ça peut donner quelque chose. Il tire. Beaucoup trop dévissé à droite. On n'a même pas la place pour passer une allumette. Le ballon est attrapé par le gardien. Bonne lecture du jeu. Il prend le ballon de la tête. Il cherche des espaces. À moi. Tentative pour percer la défense. Joli appel en profondeur sur le côté. Encore une belle occasion. Le danger est écarté grâce au défenseur. Ce sera un corner. Bataille pour le ballon dans la surface de réparation. Oh, ce ballon va remonter très vite. Va-t-il la mettre au fond des filets ? Arrêt du gardien. Nouvelle occasion de centrer. Interception de la défense. La menace est écartée. Très belle ouverture.
Facile pour la défense. C'est dommage, mais il y a bien une position d'enjeu. Un ballon repassé en arrière. Ce contre peut amener très loin. Le duel est remporté, c'est bien. Le décalage est fait. Oui, il était bien hors jeu. Bien vu l'arbitre assistant. Bien dégagé. Il s'est interposé au bon moment. Encore une occasion de centrer. Du pied, dégagement sûr. Nous sommes presque dans le dernier quart d'heure. Il reprend le ballon. Kolka. Quand on est spectateur de ce genre de match, c'est un vrai régal. Le ballon circule bien, mais mettez-vous à la place des adversaires. Non, le ballon a été intercepté. Nous entrons dans le dernier quart d'heure. Oh, il est joli ce ballon. Tiré décoché. Un peu trop dévissé à droite. Ça, c'est vraiment la frappe ratée, alors je pense qu'il avait le temps. Joli duel, le ballon est gagné. Cette équipe a vraiment perdu le nord, ils sont désemparés, ils auront bien du mal à refaire leur retard. À moi. Encore une belle occasion. Belle combinaison. Va-t-il trouver le bon timing? Le contre, c'est une arme redoutable. Une interception au moment crucial et un bon dégagement. Il est hors jeu, bien vu de la part de l'arbitre. Premier changement de la rencontre pour cette équipe. Et le joueur qui sort a l'air surpris. Il pense sans doute que le quatrième arbitre s'est trompé de numéro. Nouvelle occasion de centrer. Un gros dégagement qui enlève tout danger.
La défense a récupéré le ballon. C'est pas réglementaire, coup franc bien sûr. Ça ne va pas être facile d'ici. La passe a été interceptée. La défense a récupéré le ballon. C'est maintenant une remise en jeu. Voyons si nous allons constater un effet sur le terrain. Encore une occasion de centrer. Et coup franc concédé à la suite de ce tacle. L'arbitre a regardé son chrono. C'est quasiment la fin du temps additionnel. Encore une belle occasion. C'est une frappe. La touche est concédée, elle peut être dangereuse. Oui, le joueur dégage le ballon de la tête. Fin du match. L'arbitre en a décidé ainsi. C'est terminé.